ils sont que 40. On avait l'impression qu'ils étaient 500. Bonjour. Ça veut dire que dans quelques heures. Rempli de forêt. Les assesseurs sont tout autour de là. Et on a une table là-bas, je ne sais plus quel numéro. Moi-même, j'étais pêcheur de crevettes et souvent les collègues me disaient « Oh, chez moi, c'est ma belle-mère qui décortique le mieux » ou « Ma mère » ou voilà. Et donc j'ai dit à un moment « Écoutez, au lieu de parler, on va mettre tout le monde autour d'une table et on verra bien qui sera le meilleur. » C'est né comme ça. Bon, je vais le dire parce que je ne suis pas chauvin. Il faut éplucher la crevette à la deuxième écaille, un coup à droite, un coup à gauche. Vous pressez sur la queue et vous tirez sur la tête. Et ça vient tout seul, à condition qu'elle soit fraîche. Il faut au moins avoir quand même un peu d'expérience. Hein. Moi, je travaille sur de la petite crevette pour m'entraîner. Toujours est-il ému. Cette année, j'ai eu du stress, mais le stress a parti. Et je n'ai pas fait de larmes, rien, tellement que je suis contente parce que cette année, c'est les JO à Londres. Et ça tombait bien de faire ce concours-là, et en espérant que je gagne quand même.